Mesdames et messieurs la famille, ça fait déjà plus passé 15 jours depuis que Ariel Henry, en cas de discours que t'es fait dans le local force l'armée pays d'Haïti, t'es déclaré que désormais l'armée d'Haïti pral accompagner la police dans le cadre d'une série d'efforts qu'il a fait pour être capable de bataille contre gang nous connaît qui a terrorisé la population. Plus passé 15 jours après déclaration ça, rien pas jamais dit, nous presque pas tendez parler de une question l'armée ça. Finalement, qui ça a passé? C'est question ça en pile monde a posé tête yo aujourd'hui. Dans la vidéo ça nous va essayer porter pour des éléments de réponse les amis. La police nationale d'Haïti a annoncé que yo cassé maintenant mais deux membres du gang Crasé Barrière que vite l'homme innocent a dirigé nèg sa yo tombé en babal dans cadre échange de tirs que yo t'a fait avec force de l'ordre. Comment yo relé? Te connecter, nous allons essayer de venir avec un détail pour un petit moment. Bon nouvelle qui est très important là. Pour une fois, gouvernement Ariel Henry a fait un goal qui est capable utile population. Nouvelle, imagine, depuis quelques temps là, depuis le Joe Biden a fini de lancer le programme, nouvelle qui tracait, qui misait que compatriotes nous a passé pour capable déposer yon demande pour un carte d'identité ou bien pour un passeport. Yo. Mais finalement, gouvernement Ariel Henry puisque bah a fait le tour du monde, nous fait plusieurs émissions sur réseaux sociaux, il y a des propositions qui étaient faites pour demander avec un gouvernement en tout cas informatiser le processus là, mettre en place on demande une possibilité pour nous prendre rendez-vous en ligne pour que yo suspend al passé misère. Mais finalement, jodia, gouvernement li lancé yon plateforme en ligne. Sous plateforme ça, les amis, même avec tout l'autre pays, même avec notamment par exemple la France, côté m'a vu là, ou ap gen possibilité faire demande carte d'identité en ligne, ou ap gen possibilité faire demande passeport en ligne. Et puis, les amis, une fois qu'on fin fait demande là, ou mettez pièce que yo mando yo ou seulement gen pour choisir yon bureau immigration n'importe côté dans pays a pour al déposer un série de l'autre bagaille pour al faire pour al prendre prêt etc etc. Ça moi trouvé son bagaille extraordinaire que lié. Et pas parce que comme si ou gen doit parler au nego et puis si au fond mon bagaille pour pas être bravo. C'est pour la première fois que Haïti a une plateforme en ligne pour moun faire demande et carte d'identité yo, faire demande passeport yo, y a seulement à le passer dans bureau dans date que y a rendez-vous pour que y a en tout cas prend un point et puis dépose acheter timbre et puis à le déposer timbre etc etc. Ça, moi-même, en tout cas, moins trouvé son bon bagage que lié, c'est comme ça fonctionnait en France. Vous songez, on te dit ça, exemple, récemment, on te besoin de passeport. Et puis, mairie, côté m'a vive là, tellement gagne de demande, le monte sous site là, sous site, il y a disponible pour mon rendez-vous. Moi, prochain rendez-vous, et 6 mois. Ça veut dire qu'il faut attendre 6 mois avant de jouer un rendez-vous. Nous, par exemple, tu es dans le mois de janvier, prochain rendez-vous, c'était le mois de juin. Je dis, quête, monsieur. Puis l'homme gardé, ouais, en France, ou pas obligé à le déposer, de votre passeport, ou dans la mairie, que tu as vivre là, forcément, ou capable de déposer n'importe où tu es sur le territoire. Je me monte, je prends l'ordinateur là, je tombe chercher, je cherche la mairie, et n'importe côté en tout cas côté me un rendez-vous qui puis près à m'brale et puis monter sur internet là choisir en mairie non région comme pas me connaît même et puis me prend rendez-vous moi c'était environ 2 mois hein 2 mois et à partir de date côté que tu commencé et démarche moi c'est 2 mois que t'es puis et puis me prend rendez-vous et puis même prend machine moi là m'aller bien loin mal gérer ça. Et puis, les amis, en ligne,
moi rempli, moi déposer dossier, mal fait en prit dans mairie et puis après quelques temps je ne passe pas. Ah mais c'est même système ça, moi, j'ai monté sur site là, moi c'est pratiquement même bag là parce que selon ça yo dit les amis, sous monté sur site ça, vous faites demande passeport, si par exemple vous estimez Port-au-Prince ou pas joindre ou pas joindre rendez-vous cap bon pour vous, ou gen droit dans Port-au-Prince ou rempli formulaire en ligne et puis ou choisi pour aller déposer document yo inch par exemple. Ça me trouver son évolution, son bagage extraordinaire. En tout cas, me pas parler en pile, vraiment pas parler en pile. Tu me fais entendre, tu me fais regarder et vidéo ça côté où tu as présenté plateforme non, m'a demandé pour garder et surtout partager avec zanmou qui a besoin passeport aujourd'hui ou bien besoin carte d'identité, peut-être il y a besoin des bagages intéressants dans sa cap dia là. Moi me bat bravo pour lui, on est gougen droit pas même Ariel en haut, gougen pas même gouvernement ça, mais au moins là il répond à un besoin. Parce que ça est capable de permettre que nous nous suspendons à le passer. Misère devant l'immigration, à la bataille. Nous songez, il y a même des gens qui vivent mourir parce qu'ils ont essayé d'entrer dans l'immigration. Et puis, bon, ils ont mouru dans de mauvaises conditions. On regarde, comment vous avez présenté la plateforme. Non, moi, je pense, encore une fois, son bon bagage et ça, franchement, son bagage a encouragé. Mais, bon. Nous connaissons, dans le pays d'Haïti, en pile bagaille, en pile initiative qu'on prend, et puis, il n'y a pas qu'un bé. Parce que nous avons un problème de ressources humaines, nous avons un problème de monde. Et espérer, après une semaine là, on n'est pas monté sous site ça, et puis pour que, eh bien, site là pas fonctionnel, site là pas existant encore, parce que le gouvernement n'a pas payé d'eau maintenant, pas payé comme que le supposé est payé pour que site là continue à exister. Et surtout, nous avons demandé pour nous sécuriser site là, parce que on site côté moun bral partager documents d'identité, il faut que yo pas jouer à ça, il faut au moins sécuriser la plateforme. En tout cas, j'ai comme dit nous, ça a son goal que le gouvernement fait. On regarde la vidéo ça côté où tu as présenté la plateforme. Non, je pense que vous êtes capable de jouer des bagages qui sont intéressants. Et merci parce qu'on a bon quelques minutes pour capable de garder ce que vous avez là. N'oubliez pas, abonnez-nous avec la plateforme ça, c'est une bonne chose. Les amis, ça, li a fait plaisir en pile. Allez, on regarde la vidéo ça côté où tu as présenté la plateforme de demande en ligne ça, que le gouvernement lui-même lui fait lancer les amis. OK, n'a tout non site là. Est-ce que le patat tout bon pour que m'ta ba nous site là? Bon, OK, m'a publié lien site là pour nous et dans commentaire, nous capable cliquer sous lit et nous même qui besoin passeport si n'a vive et on n'a pas qui intéressant. Moi on bail possibilité pour même moun qui vive à l'étranger faire des demandes de passeport aussi. Ça a l'intérêt. En tout cas, m'a mettre lien pour nous en bas vidéo, cliquez sous les puis gardez pour voir est-ce que m'a gagne raison, les m'dit nous sont c'est quand même un point positif pour le gouvernement ça. Allez, on regarde. N'a salué tout l'autre grand commis l'état qui fait déplacement. On salutation spéciale pour staff technique ONI, DGI, immigration qui te travaille ensemble. N'a salué tout invité qui fait déplacement pour assister à lancement service en ligne ce matin et n'a salué la presse en général qui l'a. Question identité dans le monde, c'est pas un cause pitié. C'est un élément essentiel pour tout pays qui veut prendre route développement et c'est une gros devoir l'état face à citoyen lio. L'état besoin identifier citoyen lio pour diverses raisons. On est qui les yoye, combien yoye, côté à vivre, est-ce que yon jeune, est-ce que yon grand monde il a trié. Jean de donner ça yo permettre l'état planifier plus bien développement dans chaque zone par rapport à qualité moun yo, particularité population zone ça a gagné. Dans le pays d'Haïti, c'est à peine 37 l'année nous gagné depuis nous vraiment prend au sérieux causer identifier citoyen yo. C'est seulement dans l'année 1987, jour qui était 21 septembre, y a un décret est sorti qui dit l'État haïtien a deux voies pour identifier tout le monde qui vit sur le territoire, que c'est haïtien, que c'est étranger. Nous prenons le temps, 18 l'année encore, avant pour nous réaliser ce décret, ça a été demandé. Non, l'autre décret qui sorti dans la date 1er juin 2005,
qui consacre travail Office national d'identification gain pour l'IFE. Mais malheureusement pour ONI, l'élance ces premiers quatre là, il était relé le quatre électoral. Raison qui t'apprend la cause en pile haïtien toujours relé quatre identification nationale là, quatre électoral. Et appellation ça a traîné un paquet de bagages regrettables qui lié à l'élection dans le pays d'Haïti. Mais quatre là pral prend une autre dimension avec décret 18 juin 2021 qui fait qu'on est que numéro qui sous 4 là c'est lui-même désormais cap identifier chaque haïtien pour la vie numéro identification nationale unique en français nous dit NINU. Qui ça causé ça veut dire nous songer en pile monde te critiquer décret ça parce que yo te comprendre que li veut dire désormais ou pas gain l'autre carte pour identifier ou pas gain l'autre pièce qui ca identifier. Mais ce n'est pas vrai. Ninu en vle dit, chaque haïtien de boufette, il y a bon un numéro qui identifie ou. Et ce numéro ça qui a fait qu'on qui est souillé pour reste vie ou. Et même l'on parle encore, numéro ça c'est lui même qui dit, qui l'on est venu sur la terre et qui l'est allé. Numéro ça, ou a utilisé pour tout ça ou a fait pour faire dans la vie ou. Tant coup, à l'inscrit l'école, depuis la maternelle, il veut jouer dans l'université. Signer contrat, l'ouvrir compte en banque, aller chercher transfert, payer taxes, faire passeport et la trier. Parce que c'est grâce à numéro ça, l'État qu'on est. Raison nous sont expliquées là, montrer à clair que tout le monde qui vit en Haïti besoin de carte d'identification nationale là dans le fonctionnement chaque jour. Ce n'est pas seulement pour les élections. C'est ça que fait, non, tout en tout coûte. On y peut commencer à identifier tout le monde depuis les fêtes. Parce que de vous sortir dans votre maman ou compter et nous devons identifier. On a besoin de connaître tout combien d'étrangers qui vivent sur le territoire. C'est ça que fait, même si vous êtes étranger, vous avez besoin on ignore tout. Pour les gens qui vivent dans le pays, tant que les États-Unis, le Canada, il y aurait le numéro ça, le numéro de sécurité sociale. Et souvent, lorsque vous faites transaction avec l'État, avec le secteur privé, vous demandez le numéro ça. Gouvernement Premier ministre Ariel Henry a accordé en pile importance à question identifier chaque grain haïtien ou bien chaque grain monde qui vit sous territoire depuis les fêtes. C'est ça qui fait li mandé ONI pour travailler main dans main avec ministère éducation nationale pour commencer identifier ti monde qui dans l'école yo. Et stratégie ça a permettre 4 millions ti monde qui l'école dans tout niveau gain numéro ça avant longtemps. Route la longue. Mais nous pour aller avec moyen nous gagner. Nous pas tant nous gagner pile l'argent pour nous commencer, mais nous choisi commencer avec ça nous gagner et n'a prend force pendant n'avancer. Avec utilisation outils technologiques avec en pile brain et en pile volonté, n'a saisi ouais qui calte miracle nous ka fait. En nous suspend plein, en nous mettez main. Lancement matin, c'est un effort national. Spécialiste local dans affaires technologie développées. C'est un exemple sous ça nous a fait les chaque entité qui dans l'État décide de travailler ensemble main en main pour porter solution pour population, pour ces villes dans dignité. Jean Premier ministre Ariel Henry Remendil. ONI qui c'est institution qui responsable pour identifier monde dans pays d'Haïti, mettez les disponible pour toute l'autre institution, quitte c'est l'État, quitte c'est privé, pour aider à résoudre le problème d'identité dans le pays. C'est pour ça que nous travaillons avec la direction immigration, DGI, unité e-gouvernance, pour aboutir à ce travail ou pour le constater là tout à l'heure. Identité, c'est le premier pas sur le chemin de développement. ONI dit le présent. Identifier ses droits, c'est devoir ONI. Merci. Un événement majeur qui ouvre le champ à une meilleure gouvernance et le Premier ministre est jugé bon pour là, jeudi, puisque un événement pareil, il croit qu'il rentre dans le cadre de travail, dans sa livrée pour développer un pays. Monsieur le Premier ministre, merci d'être là et nous vous invitons à nous rejoindre pour vos propos de circonstance. Merci.
Merci beaucoup. Asseyez-vous. Messieurs les ministres, monsieur le directeur de cabinet, messieurs les secrétaires généraux, mesdames, messieurs les cadres et agents de la direction d'immigration et de l'immigration, mesdames, messieurs les cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs les membres de la presse. Ce matin, j'interviens à la fois en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales par intérim, car nous parlons d'émission de passeports et de pièces d'identité, mais aussi en tant que Premier ministre, car ce qui s'est passé ces dernières semaines devant les bureaux de l'immigration dans plusieurs villes du pays doit nous interpeller tous en tant que peuple, en tant que nation. Je ne serai pas très long, car les techniciens vous ont déjà dit beaucoup de choses et je sais que vous avez hâte de voir la démonstration de cette nouvelle application. Je veux cependant saisir cette opportunité pour faire quelques remarques et soumettre à tous, à tous nos compatriotes, quelques éléments de réflexion. Ma première remarque, il est du devoir de l'État de fournir des services à la population dans les meilleures conditions possibles. Tout Haïtien gain droit pour le joindre un passeport les li besoin. L'État gain pour devoir pour lui servir tout Haïtien sans passe pour qui et avec dignité. Tout citoyen fait pour égal égaux devant service administration placé pour le bail. Immigration a une capacité limitée dans la quantité de demandes de passeport qu'il a recevoir chaque jour. Capacité limitée tout sous quantité de passeport qu'il a fait dans une journée. Pour éviter foule monde et gourmet devant bureau immigration, le gouvernement a fait un pile d'efforts pour déconcentrer et puis décentraliser service immigration dans plusieurs points dans la capitale là et dans plusieurs villes provinciaux tout. Mais n'a pas d'accord avec personne pas paré pour recevoir et livrer dans 2 mois plus passer 300 000 demandes passeport. Face à l'affluence, le gouvernement a bâillé l'immigration moyen pour ouvrir plus de bureaux. Mais ça n'a pas suffi. C'est ça que fait nous accélérer le développement de la gouvernance et mobiliser les experts nationaux dans le pays pour créer une application qui pourra faciliter tous les citoyens. Rendez-vous en ligne, Jean Safet, l'autre côté. Avec effort ministère intérieur, avec immigration fait pour moderniser davantage l'accueil contribuable, le gouvernement a rentré dans tout bon dans e-gouvernance. Nous gain pour nous continuer faire ça dans l'autre administration yo tout pour nous kabay peuple là puis bon service. N'a demandé tout le monde fonctionnaire immigration yo tant que citoyen yo pour faire un effort pour adapter yo à nouveau système là. Parce qu'il pourra permettre nous recevoir tout le monde avec plus d'IPT et respect, ils ont mérité.
nous profiter pour nous remercier tout officier immigration yo pour tout sacrifice yo fait pour yo servir pour yo fournir service là quand même malgré problème insécurité et agression. Nous comptons sur yo pour système ça qu'a tourné un gros succès. Moi connais des quelques petits problèmes. Direction immigration a prend toute disposition pour corriger yo. N'a demandé tout le monde prend un petit patience. Il a servi tout le monde. Direction immigration a besoin d'un délai pour fabriquer et puis livrer passeport. Problème ça a résoudre net. Les nous recevoir l'autre matériel nous commander yo pour immigration kabay service là plus rapide. N'ab dit toute institution qui adapte yo pour faire face à situation. Yon gros merci pour disponibilité yo. Nous pensons en particulier à toute force sécurité yo. DGI, ONI, Archives nationales, Ministère des Sports, Sonapi et Latrier. M'a demandé membre la presse yo parler, écrit, télévisé ak média en ligne yo pour diffuser largement nouveau système là pour aider compatriotes nous comprendre des marches là et servir avec Jean yo fait ça les au besoin rendez-vous l'autre côté m'a quitté nous avec technicien yo qui pral faire démonstration système là merci. C'était les propos de circonstance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, à cette cérémonie de lancement de la DELIDOC, demande en ligne de documents d'identité, qui est réalisée par nos experts. Ces experts qui suivent le développement des technologies de l'information et de la communication. Alors, il faut dire que la DELIDOC bouscule ce grand défi qui est la mise en œuvre de l'administration en ligne. La gouvernance électronique va s'imposer pour le plus grand bien du pays. Pour cette présentation, nous avons les panélistes. Il y a M. Renaud Guerrier, qui est le directeur de l'ONI. Monsieur Jean-Emmanuel Casséus, la Direction générale des impôts, directeur des impôts. Monsieur Michel Colbert, qui était là avec nous pour l'unité e-gouvernance de la primature. Et monsieur Jean-Ocelin Lambert, directeur technique à la Direction de l'immigration et de l'immigration. Il est le directeur des technologies de l'information et de la communication. Alors, quittez-nous, n'a pas apprécié, n'a pas comprendre, et après, a gagné une simulation de une prise de rendez-vous pour ONI et une prise de rendez-vous pour un passeport au niveau de la direction de l'immigration. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre attentivement la présentation de la plateforme de prise de rendez-vous en ligne qui, comme l'a dit, mes prédécesseurs, a été planifiée, programmée par des experts nationaux, les enfants de cette nation. Continue, s'il te plaît.
Cette plateforme a pu être réalisée à travers une coopération électronique entre des entités d'État. Nous commençons par la DGI, qui est le premier émetteur, la première entité qu'on voit quand on va, prendre le passeport pour acheter son timbre. L'ONI, la DGI qui est sous la gestion du ministère de l'Économie et des Finances, l'ONI qui est l'organisme qui émet les cartes d'identité, qui est sous la gestion du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la direction de l'immigration et de l'émigration que nous appelons l'immigration, qui est sous la direction du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et enfin avec l'e-gouvernance comme gestionnaire de projet au niveau de la primature. C'est une première, une grande coopération électronique entre ces entités. Le plan de cette présentation est le suivant. Les utilités de la plateforme de Delidoc seront expliquées. La présentation de la plateforme au niveau de conception technique. Les modules qui sont au nombre de trois. Un module de rendez-vous, un module de validation et le troisième module, on ne va pas parler, c'est le module qui se fait à l'interne au niveau de l'immigration. Le projet pilote va couvrir la zone métropolitaine de Port-au-Prince avec les bureaux. Aussitôt que ce sera validé, on passera pour tout le territoire de la République progressivement. Et enfin, nous ferons la démonstration d'une demande en ligne avec rendez-vous pour une personne qui dispose déjà d'un timbre passeport. Ensuite. Utilité de la plateforme. Cette solution technologique met en place une plateforme de prise de rendez-vous qui permet au niveau du citoyen, de soumettre sa demande en amont avant son arrivée au bureau d'exécution, d'avoir la garantie d'être reçu puisqu'il sera attendu et de fournir un écosystème commun à tout le service public. Présentation de la plateforme. C'est un portail web, ça veut dire il faut aller sur Internet, qui permet à tout citoyen haïtien de prendre un rendez-vous en ligne. Pour le présent moment, ce système offre la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne pour deux types de documents, le passeport et la carte d'identification nationale. Delidoc comprend trois modules. Un module rendez-vous que le citoyen utilise. C'est ce module-là que nous allons démontrer par la suite. Un module validation pour les agents de réception des demandes. Quand ils vous accueillent, vous devriez apporter la feuille de rendez-vous et ils vont valider votre réception. Enfin, le module opération, dont on ne va pas parler, qui concerne intérieurement la direction de l'immigration et l'immigration. Le module rendez-vous, ce que vous faites dessus, vous enregistrez les informations sur la personne qui fait la sollicitation du passeport et certaines spécificités, le type de passeport, etc., et le bureau de rendez-vous. On prend un rendez-vous, on imprime le formulaire avec lequel on se présentera au bureau choisi. Si, pour une raison quelconque, on rate son rendez-vous, on veut modifier le rendez-vous, il est possible de monter pour modifier le rendez-vous.
La seule chose dont il faut se rappeler, dès que vous ratez un rendez-vous, il faudra refaire un autre rendez-vous, comme c'est courant ailleurs. Module validation. L'agent préposé à vous recevoir importe les demandes au début de sa journée, vérifie les demandes, valide les demandes et à la fin de la journée, il exploite les données qui vont être traitées par l'immigration. Le projet pilote, comme je l'ai dit, couvre la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Voici les bureaux qui existent au niveau de la direction de l'immigration pour la zone métropolitaine. Willamar est à côté. Ok. On me demande d'expliquer le reste en créole. Même bureau qui est dans la zone métropolitaine, c'est Willamar qui est au Champ de Mars, près du gros. Oui, Romain, et qui est le parc. Voilà. Parc Sainte-Thérèse à Pétionville. Le commissariat de Delma 33, qui est réservé aux policiers. Bon, je me tourne en français. Désolé. Delma 31, ancien local de la mairie. Avenue Toussaint-Louverture, Sonapi. La mairie de Tabar. Et DGI, qui est à l'avenue Christophe. Mais qui sera besoin pour produire demande. Première chose pour toujours gagner l'amour. Avant de produire demande, il faut gagner la carte d'identification nationale. Continuez. C'est un. Oui. La carte d'identification nationale que nous tous connaissons qui est présentée comme ça. Donc, ce dont on aura besoin en premier lieu, c'est le NINU. NINU 1, continuez s'il vous plaît. C'est à droite lié, en bas, côté, il y a reproduit l'image. Le 6 photo à tout petit. Le NINU a 10 chiffres. Souvent, entre 10 chiffres, on ne peut pas continuer. Dès qu'on entre 10 chiffres, automatiquement, et vérification, on va le faire. Toujours à droite, sans besoin après, c'est date de naissance du propriétaire de la carte. Moun qui met 4 là, il y a date de naissance pour l'entrée. Ensuite, troisième élément, c'est numéro 4 là. Numéro 4 là, son numéro qui en haut 4 là, à droite. Son combinaison de lettres et de chiffres. Et sous perte du 4 août, numéro ça a changé. Et numéro ça a validé au niveau de l'ONI. Si c'est au moins, c'est pas tout même qui t'a le point 4 là, numéro A cap à valider. Faut que c'est où qui t'a le point 4 là pour présenter emprunt tout, numéro ça a validé. Enfin, dernier élément pour besoin, le NIF que vous avez utilisé au niveau de la DGI pour, enfin, NIF qui sert vous là pour acheter un passeport à la DGI. Et c'est tout. Maintenant, nous pourrons passer à la démonstration logicielle là pour nous voir comment elle marche. Nous prenons une démonstration. Et tout d'abord, c'est pour Oni. Monsieur Guerrier, c'est Oni d'abord. Oui, on va commencer par une demande de rendez-vous avec l'ONI, la seconde monde dans la salle là, qui voulait. Vin font des mots pour le prendre en rendez-vous. Non, on a commencé avec Oni d'abord. Et passez la droite. Non, passez la droite. Oui, ça va, ça va. Demande de carte d'identité. Donc, lors d'entrer sous portail là, il voyait où on côté pour et
ou cap aller soit pour demander carte d'identité ou bien ou faire demande passeport. Il faut regarder l'autre camp. Ça va? Donc, demande de carte d'identité. Il faut regarder à droite, il faut regarder. Il faut pousser le curseur à droite. Ok? Attendez-moi. Je vais faire une chose. Non, je vais faire la duplication de l'écran. Vous comprenez, mais bon, à ce stade, c'est duplication d'écran qui a beaucoup. Non? Parce que. Pour tout le monde qui suit nous, qui regarde nous en direct sur la télévision nationale et sur l'autre plateforme, les réseaux sociaux. C'est une démonstration qu'on a fait de DailyDoc, plateforme de demande en ligne de documents d'identité. Pour le moment, c'est demande carte d'identité avec demande passeport. Et nous connaissons Naoni, il a fait demande carte d'identité et puis passeport, c'est dans l'immigration. Donc, il y a un volontaire qui est là, qui est sur place, et qu'il a fait démonstration avec lui. D'abord, vas-y. C'est pour carte d'identité. Ok. Le fin cliquer ou aller sous page Onian et ou pour le faire ça on pré-demande. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'informations que librement d'eau. La demande à partir de qui pays ou à faire demande là. Donc elle a choisi Haïti et type de demande. Donc si c'est première demande ou pour le faire carte là. Type de document, c'est carte d'identification nationale. Raison de la demande, donc demande de passeport ou compte bancaire, etc. Ça peut être n'importe quelle raison. Catégorie de citoyen, pour qui ça nous dit catégorie de citoyen, ça peut être mineur ou adulte. Pour le moment, il est disponible seulement pour adultes. Il y a demandé en question qui permettent que l'on retourne sous système non pour yon kabouè que c'est vous-même. Donc, il choisit quel est le nom de votre mère. OK. Et puis, il fait next. Quand il va demander au prénom, nom de famille, sexe, statut matrimonial, date de naissance, département de naissance, arrondissement de naissance, commune de naissance. Pour le moment, l'autre monde n'a pas besoin de peur, même si nous c'est pour Port-au-Prince seulement lié, nous sommes en phase pilote. Après, la étendue avec tout pays. Automatiquement, qu'on choisit pays, l'idou, numéro de téléphone, nan, c'est 11 chiffres. Si vous choisissez États-Unis, il tape 10 chiffres, etc. Gen, toute information, ça est obligatoire parce que leur carte l'après, nous connaissons les mounan pour bali carte là. Par contre, numéro WhatsApp là, c'est bien, mais il n'est pas obligatoire. Et puis, nous toujours demandons les mounan ont adresse email. Email là obligatoire parce que nous pral wè le système nan fin et généré le voye code là la voye le sous email ou li ka voye le sous WhatsApp ou tout automatiquement kote mette numéro WhatsApp là. Suivant département là n'a mandé moun nan ki kote li habité tout à l'heure on te mandé ki kote li fèt. Département, arrondissement, commune, donc remarquez que l'on choisit commune nan li ba ou qui section communale qui gagne dans commune automatiquement. Reste
Qu'il y a une option qui est extrêmement importante, le film mette adresse li, li pral di, est-ce que lui utiliser assistance au monde qui aide le faire travail ça? Donc, si c'est lui-même qui remplit le pourcompte, ce n'est pas un problème. Et puis, dernière question, c'est dans qui bureau vous voulez que vous livrez ou li? Est-ce que c'est dans le même bureau que vous avez fait demande là, ou bien si c'est dans l'autre bureau? Information ça est important parce que il y a un problème que n'a fait face à Oni à chaque fois c'est mon a dit que li font 4 li par contre qui côté 4 là il a le choix automatiquement qu'on fin fait choix ou qu'on est exactement dans qui bureau 4 là il est optionnel pour mettre photo ou pas donc on cap continuer kounya. Yo montre toute information qu'on mette yo. Si gen qui pas correct, automatiquement ou ka corriger ou a fait précédent pour corriger, mais si tout bagay OK, ou ka valider information. Et li di que document besoin pour faire carte là, c'est extrait des archives ou bien acte de naissance ou bien acte de mariage. C'est pas les trois à la fois, c'est youn ou l'autre. Et qu'on déclaration sur l'honneur qui fait, qui dit que toute information qu'on fournit, c'est des informations qui sont vraies. Donc, dernière étape, les cliquer sur envoyer. Automatiquement, il y a un code qui est généré. Le code est généré à la fois sous écran et puis la joindre maintenant par email. Bon, nous allons vérifier sous téléphonie, est-ce que nous recevons email là? OK? Elle a reçu l'email. Ça dit, bonjour Christina Kesha, voici le numéro de suivi de votre demande. NAOB 72-72-73, veuillez bien le garder, vous l'aurez besoin pour accéder au système, l'équipe de DailyDoc. OK? Donc, elle a reçu sur son Gmail. OK? Maintenant, on va faire le suivi de la demande. Le suivi de la demande, toujours en haut à droite. Numéro que l'ité joint tout à l'heure, numéro de suivi, c'est lui-même la rentrée là, qui pour permettre que l'y rentre en le système là, elle prend rendez-vous. Première étape là, c'est peut-être ça, le pré-demande, lui permettre d'enregistrer toute information par en le système là. Maintenant que le mettez numéro 1, OK, li mande des questions qui permettent que li identifier que c'est exactement moun sa. Li mande date de naissance li. Li mande deux derniers caractères de nom de famille, s'y a-t-il. Et puis nous songer question que te poser, question secret, quel est le prénom de votre mère? Donc li rentre elle. Et automatiquement, le système n'a supposé dire connexion réussie. Remarquez que en haut à droite, l'identifiant, parce que c'est vous-même qui prend rendez-vous. Et puis, nous avons une belle image, sans souci, palais sans souci, dans le fond. Rendez-vous, le prend premier rendez-vous. OK, arrivé, li mande date de rendez-vous qu'au besoin. Donc, rendez-vous pour lundi, si vous voulez. C'est mois d'abord, jour ensuite et puis année. Lundi à 3 avril 2023. Sélectionnez département. Département d'abord. Arrondissement. Port-au-Prince. Commune. Bureau. Non, on va faire sur Pétionville.
OK. Pour le moment, on n'a que deux bureaux qui sont disponibles parce que ce sont ces bureaux qui vont participer au test. Il y a le bureau central où il y a le VIP et le bureau de Pétionville. Ce sont ces deux bureaux qui vont participer au pilote. Et une fois que le bureau est choisi, il y a un tranche horaire. Il n'y a pas fixé, on le précise. Par contre, il y a entre 8h et 10h du matin, entre 10h et midi, entre midi et 2h, entre 2h et 4h. Donc, il y a un nombre de rendez-vous qui sont disponibles. Si vous regardez côté qui en Roselan, il y a un nombre de rendez-vous qui sont disponibles dans la tranche horaire. OK? Donc, il y a 20 rendez-vous qui sont disponibles pour le moment. OK? Elle a choisi. La date doit être aujourd'hui ou après. Vous avez choisi quoi? Non, vous avez choisi le 3 mars, c'est pour cela. 04. Le premier qui moi? 04, d'accord. OK. Veuillez sélectionner la tranche horaire. On essaie sur le VIP. Voilà. Voilà. Rendez-vous enregistré avec succès. Maintenant, vous allez imprimer votre rendez-vous. OK, donc bureau central VIP, adresse bureau, où il y a toute information moun qui pral faire demande là et puis où il y a info demande là, suivi demande automatiquement li généré. Ou ka imprimer là. Ou ka imprimer, c'est là. C'est branché. OK, moun nan ka toujours faire photo, ça qui est important si nous descendons jusqu'en bas, c'est photo qui a code là. OK? Ou quand faire photo ça, ou aller avec lui dans bureau côté prendre rendez-vous hein, automatiquement, ou cap faire. Il pas connecté. Bien sûr. On a une imprimante ici, on va essayer d'imprimer pour vous voir quoi ça ressemble. Bon, nous sous première version, nous avons dit tout le monde que c'est un formulaire qui parle à la fois en créole et en français. OK, nous avons un petit problème avec l'imprimante là, mais nous comprenons que, mais comment faire là pour le paraître? Et ou quand imprimer ça ou bien ensemble avec lui ou quand faire photo ou bien paraître avec lui sous téléphone nous et même ça ma Elus soit sous téléphone nous ou recevoir par email tout. Peut-être que le peut arriver. Mais les supporters recevoir même feuille ça par email. OK? Donc, on va revenir. On va tourner sur ce site-là. OK?
nous-mêmes dans ONI, automatiquement, nous recevons même information ça et nous capables de faire suivi de Madmouna. Lorsqu'il dans le bureau, ou avez un monde avec une tablette qui déjà a toute information ou même cap venir, le la recevoir, il est juste pour le scanner QR code ça et le scanner QR code là, il ouais exactement monde ça te prend un rendez-vous dans l'heure monde te dit. Mais comme moi su que toi quand monde qui vient là, c'est pour passeport. Nous pourrons passer rapidement à la démonstration passeport. N'a pas retourné sous site là. OK. Et le format est déjà disponible sur les téléphones, c'est pas uniquement sous ordinateur ou cabaler sous téléphone. Nous site ça, il fait tout pour marcher sous téléphone. Et adresse là, c'est delidoc www.delidoc.com.